Papa a depuis Tongo. Il a une carte qui est originale. Bon, si une carte na bomba qui est dans la table, la photocopie. Lelo ena ketala original na moni photo ezalite. Na yebo na expliquer bango ba boy ba bité na ke ko tumba ngo po ba écrire bima yango na zanango a. Na ke iko tumba ngo bo na yebo ye ba lobi yote kota molongo me banda 6e na kiti chiko yo. Na na voté té. À part ça, ba li ko sa ne ma l'entro. Chiko na lembi. Yango na li ko tuna na zongo na nda ko tona continent de ati ernini. Po bana tourna li até le côté ba na yaki awa. Donc on a l'embika ko lemba. Nana voté pour mes 1 minute soyo ba combo ezo moins en amte. Il faut au luka au luki au luki. Eza ba dimsu so ba sa relété pour ba combo ezo moins en até. Ba mami kolo ba zo luka combo monité. Pas ni ngwana. Dede ba machine ba papier ezo calé. Tu évites so gida pour manini. Faut battre la machine bien na kati wana. Ba papier zo calé. To comprendre. On a voté déjà dans coup de chapeau na Yemoko président Seni Denis Kadima pour depuis Tobanda makambo ba élection na Mboko to tikala au mona ngote pour to yebaki na Mboko ezalaki ke po boke na élection il faut bozwa carte inane nandambu pour bokoma na moi na année à élection mais ye a pesi biso carte de lecteur na janvier na décembre toke na élection. Retard au baloba qui a rattrapé retard à organiser une élection. Azam t'en félicité. Naye moko Félix, c'est pour Achaki Maele, ba nongolomi so baloba qui, boye boye, bazo profiter clisma, boye na boye, mais moi, mobile à l'axi Maele, naye tokene na ir, netomona o, ba congolé ba, ba rolinga ko, ko vote. Yango nde biso to ya, to vote Fachi Beto, to vote ba député na biso, to sepeli po ba osungaye, na moussala zo banda na 2024. Nous sommes le ticket wani même ticket gagnant. Sungula ni bajumwa kunga kwela munzubu wakulu nyunzubu hashi ni ababa baji balombola ma komina tuji tusomba atu tusangi jibu donc masungula ngana ajya hita mujitalala mbwa musangu akumpala bwa musangu akumpala depuis Zaire kala Congo. Président Waseni Denis Kadima coup de chapeau que dit autorité nyonso waji tunga kubangela ku numéro 1 président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwa masungulanga na ajimenze ajimuka chumwajenze kibwa crédible transparente apaisé. Moto ko saté pour la difficulté à Seni. Difficulté à Seni za bato ba sali si ba carte mi balé. Seni a lobi bo so sali si ba carte mi balé comme on avait bimi kuna na cervelle ba ko effacer comme on a yo ko voter te ochikali na carte lokola lokola eloko pa mboko tamo nango pona ba soda butu. Mais pona ko voter ozana accès et pas sénité. Nous votons les gens votent déjà mais le problème que il y a d'autres personnes qui ne trouvent pas leur nom. Donc c'est ça un peu notre problème. Ils sillonnent pour chercher leur nom, mais ils ne trouvent pas leur nom. Mais là, nous ne savons pas, ils se posent des questions. Que faire? Il faut voter ou pas voter? Donc c'est ça. On donc on a un problème à Missou, on a bandit au Landé, là-bas, lycée, on a un monde. Alors, on a juif, courage, on a un côté, on a un bureau. Non, il faut que nous ayons un combo dans F. Oh, kende na bihuana, na kende na bihuana, kende na bihuana, si de Suisse, na kochi na bihu moko boye. Non, na lingi na sale kutu mulongo, mulongo te, na kochi ka na makasi, bo lukilanga kombo na ngana, sangula ki awa. Batali na lise, oui, kombo na, ba mouni yango, yango yope na vote, na vote. Donc, bato, baza ou sa la déclaration ke ba kombo ezate, peut-être baza presse, baza impatient. Soko tuni, bato, bazo sa la na kati ya ba biro, bako luka kombo na yo, bako oriente yo, au commun à commun à voter.
Bonjour madame, bonjour messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la PSB Télévision, votre chaîne d'information générale en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes le 20 décembre 2023, le fameux 20 décembre 2023 que tout le monde attendait avec beaucoup de suspense. Les Congolais, de manière générale, ont retenu leur souffle, ont croisé les doigts, car ils ne savaient pas ce qui serait cette date, ce qui va se passer, ce qui se serait passé ce jour. Alors aujourd'hui, ce jour est enfin arrivé, vous le savez, je ne vais pas vous le rappeler. C'est le 20 décembre que la CENI avait prévu d'organiser les élections générales sur l'ensemble du territoire national congolais, en commençant par la présidence, la législative nationale, la législative provinciale et aussi l'élection des conseillers communaux. Nous y sommes à l'instant où nous parlons. Comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a un engouement en tout cas très remarquable. Nous sommes dans les centres Sonampangu, dans la commune de Njili, quartier 12. Nous sommes venus observer l'ambiance qui règne en ce moment. Comment est-ce que les Kinois passent les uns après les autres devant les urnes pour remplir leurs devoirs civiques et aussi constitutionnels. Alors nous avons baladé notre micro, nous avons parlé avec les uns et les autres, nous avons interagi avec les électeurs, mais surtout avec les témoins aussi pour avoir leurs observations dans les premières heures. En tout cas, il y a certes des problèmes qu'il faut relever, qu'ils ont pu constater, mais il y a aussi des points importants à soulever et à encourager. On va les écouter tour à tour à travers ces propos que nous avons recueillis sur place. Après, nous irons aussi dans d'autres centres de vote, toujours à Kinshasa, pour vous donner une idée générale de ce qui se passe le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Manet.
tout d'abord oublier que na kolinga. Bonjour. Comment on vous appelle? Jean-Pierre Kitimini. Papa Jean-Pierre, vous êtes ici dans les centres de vote. Quelles sont les observations que vous faites depuis que vous êtes là? Bon, depuis que je suis là, j'ai observé que les gens ne sont pas en ordre pour avoir une place, il faut observer les listes. Vous pouvez regarder la caméra. Et puis, ça va quand même. Jusque là, ça va? Oui. Il n'y a pas trop de problèmes, pas de bousculades? Pas de bousculades, trop de problèmes, pas de problèmes. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait une trentaine de minutes que je suis là. J'ai vu mon nom de l'autre côté et puis je me suis placé en file pour attendre mon tour. Par rapport à la rapidité du service des agents, ça va? Non, ils ne sont pas rapides. Je suis sous le soleil, tu vois que ça donne. Et je pense que il faut leur demander d'être trop rapide pour que les électeurs passent vite quoi. Depuis le début du processus, beaucoup ne croyaient pas qu'il y aurait élection aujourd'hui le 20 décembre. Nous sommes au jour J. Un mot par rapport, en rapport avec ces élections à l'endroit des autorités? Oui, je félicite notre président, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a dit et il a réalisé. Il n'y a pas de report, il n'y a pas de... Vincent. Tout va comme il devait être. Merci beaucoup, papa. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Comment on peut vous appeler? Bon, je m'appelle Lukuku Dadi. Papa Dadi, vous êtes ici dans les centres de vote. Depuis que vous êtes là, quelles sont les observations que vous avez faites? Oui, normalement, il y a du calme. Il y a du calme. Nous votons, les gens votent déjà. Mais le problème que... Il y a d'autres personnes qui ne trouvent pas leur nom. Donc c'est ça un peu notre problème. Ils sillonnent pour chercher leur nom, mais ils ne trouvent pas leur nom. Mais là, nous ne savons pas, ils se posent des questions. Que faire? Il faut voter ou pas voter? Donc c'est ça. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes ici? Bon, moi, depuis... ça, c'est quelle heure? Depuis 8 heures, j'étais ici. Vous avez pu trouver votre nom ou pas? Non, moi, j'ai trouvé mon nom, mais les autres... Les autres n'ont pas trouvé les noms, la plupart. Mais la majorité aussi ont déjà voté. Les autres sont déjà partis. Mais il y a du calme. Il n'y a pas un problème comme ça, non. Alors par rapport à la rapidité du service des agents de la CENI, est-ce qu'ils sont rapides? Oui, normalement, ils sont rapides. Ils sont rapides parce qu'il y a beaucoup de salles par-ci, par-là. Vous voyez d'ailleurs, nous ne sommes pas nombreux. Partout dans les salles, ils ne sont pas nombreux. C'est ça un peu. Depuis le début de l'année, beaucoup ne croyaient pas qu'il y aurait élection aujourd'hui le 20 décembre. Nous y sommes. Un mot à adresser aux autorités du pays. Bon, normalement, les élections, nous on attendait les élections. Les élections doivent toujours être là. Il faut les élections. Parce que les élections, c'est un droit normalement. Tout le monde, oui, nous sommes satisfaits. Il faut qu'il y ait les élections. Les élections, c'est ça qui nous met à l'aise, plus ou moins. Donc c'est ça. Merci beaucoup, papa Dadi. Bonjour. Tokoe bakombo nayo. Comment on a eu Mardoché? Papa Mardoché, tokutu awa na centre de vote où il faut voter. Est-ce que tu as voté déjà? Na voté na noté, naza témoin. Na niveau na bino ba témoin, en tant que témoin, ba observation nini osali depuis que kokomia. Ba observation ezay belé bandeko nanga, il y a beaucoup d'irrégularités. Un, le bureau de vote est fondé en retard. De deux, bazo kobanda vote sans compter le bulletin de vote, le témoin
bah, il y a un nombre de bulletins.